bénit au travers de la guérison, etc. Il nous permet d'être là. Et nous voulons juste, n'est-ce pas, dire merci à son Dieu. Nous célébrons la vie de l'homme de Dieu, le prophète Hazar. Donc, si vous m'entendez très bien, dites-moi encore 5 sur 5. Sinon, je change le micro que je suis en train d'utiliser en ce moment. Gloire soit rendue à Dieu. Ah, super, je crois qu'on m'écoute très bien. Gloire à Dieu. Alléluia. 5 sur 5. Ok, parfait. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. C'est toujours une joie pour moi de voir nombreux ces soirs. C'est pas facile. Surtout pour ceux qui sont généralement en Afrique, le forfait n'est pas toujours favorable, etc. Mais vous, n'est-ce pas, faites le possible pour être là. Et c'est vraiment excellent d'être avec vous. C'est pour moi un signe qui montre que vous êtes assoiffé de la parole de Dieu, assoiffé de Dieu. Et c'est juste extraordinaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Saint-Esprit, à toi la gloire, à toi la louange et à toi la majesté, parce que tu nous permets d'être là ce soir une fois de plus. Nous voulons rendre ces moments entre tes mains, prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Fais-nous du bien. Nous voulons nous laisser conduire par toi. Fais-nous du bien ce soir. Oh, alléluia. Labra santa libros, cry the mind. Gloria. Alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit, fais-nous du bien ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Hier, c'était des moments extraordinaires que j'ai passé avec vous. J'ai vraiment aimé ces temps, n'est-ce pas, dans la parole de Dieu pour nous permettre de cadrer un peu des choses, de décadrer d'autres, pour nous permettre de poser des bases importantes afin, n'est-ce pas, de naviguer dans le surnaturel comme le. Ce soir encore, nous allons partager quelques petits secrets ensemble, quelques bases ensemble pour nous permettre, parce que mon souhait est vraiment de démystifier le surnaturel. Okay? Je souhaite vraiment vous montrer que le surnaturel est aussi accessible pour vous. Okay? Le surnaturel n'est pas seulement accessible pour les prophètes, le surnaturel n'est pas seulement accessible, okay, pour les pasteurs, les docteurs, les apôtres, etc. Le surnaturel est aussi accessible pour vous. C'est pourquoi j'ai vraiment soif dans mon cœur de poser ces bases avec vous aujourd'hui afin de vous permettre de comprendre ces choses. Alors le thème que je vais développer ce soir avec vous, c'est le surnaturel et ses impératifs. Le surnaturel et ses impératifs. Je répète, le surnaturel et ses impératifs. La brada va sauver les vagues de l'eau. Mande les beaux, cycle les vagues, mal les beaux, chai de gloria. Mande les beaux, cycle yanamaso, motoriyanamade. Yes. Le surnaturel, j'ai vu quelqu'un écrire le surnaturel et ses impératifs. Le surnaturel et ses impératifs. Alléluia. Le premier point, en ce qui concerne les impératifs du surnaturel, le premier point, c'est le respect du sacré. Je répète, le respect du sacré. Plusieurs personnes, ok, sont censées manifester des choses. Plusieurs personnes sont censées développer des capacités surnaturelles, ok. Plusieurs personnes sont censées développer des dons surnaturels extraordinaires. Mais le problème se trouve au niveau du respect du sacré. C'est le premier point concernant les impératifs du surnaturel. Le sacré, le respect du sacré est quelque chose que Dieu considère. Ah oui, le respect du sacré est quelque chose parmi les choses qui sont devant Dieu, les choses que Dieu considère. Le respect du sacré est quelque chose que Dieu met en avant-plan. C'est pourquoi vous allez voir dans l'histoire du roi, le fils de Nebuchadnezzar, celui qui a remplacé Nebuchadnezzar à Babylone. Vous allez voir au temps de Daniel que lorsqu'il a touché au sacré, il pouvait s'amuser comme il voulait. Il pouvait s'enivrer comme il voulait. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il pouvait avoir toutes les femmes, etc. Cela ne gênait pas Dieu. Mais le jour où il a touché au sacré, la Bible déclare qu'une main est venue. De façon visible, ils ont vu la main. Et un doigt a écrit sur le mur. Et là, la souffle de Vaille de Gloria. Et le seul jour, depuis ce jour, un jugement est tombé sur ce roi. Pourquoi? Parce qu'il avait touché au sacré. Alors le jugement est tombé sur lui. Oh my Gloria. Souvenez-vous de celui qui n'avait pas le droit de toucher l'arche. Bien que l'acte qu'il était en train de poser était un acte
bien, puisque là je devais tomber. Donc il a voulu sauver là. Mais malgré l'acte qui était bien, qu'il a voulu poser, il a eu les conséquences de son acte parce qu'il n'était pas autorisé de toucher l'arche. Le sacré est quelque chose que Dieu considère énormément. Et pour nous qui sommes chrétiens, si nous jouons avec le sacré, nous cessons de considérer les choses de Dieu. Nous cessons d'avoir le respect pour le sacré. Nous nous déconnectons complètement du surnaturel. Et ceux qui, ok, ne respectent pas le sacré, écoutez-moi, je me réalise un peu autrement. Je dis le manque, le non-respect du sacré entraîne le jugement. Le non-respect du sacré entraîne le jugement. Oh my gloria. Gloria supra de gloria de gloria. Je prends un don très important, ok? Je prends un don très important, un don que nous utilisons, un don que Dieu fait grâce, n'est-ce pas, en ce moment à l'église, etc. Et l'église est en plein là-dedans. Ce don, c'est la diversité des langues. La diversité des langues. Vous devez déjà savoir, il y a une différence entre, je vais dire quoi, la prière en langue et, et le don de diversité des langues. C'est deux choses très différentes. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit sont censés parler en langue. D'accord ? Et il y a beaucoup de débats théologiques là-dessus, mais je préfère dire les choses ainsi. Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit sont censés parler en langue. OK ? Mais tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit n'ont pas forcément le don de la diversité des langues. Est-ce que vous me suivez ? Yes. C'est un peu comme je compare le don de la diversité de l'homme au don de foi. Ok? Tout le monde doit avoir la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ok? Mais tout le monde n'a pas le don de foi. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est quelque chose bien différent. Ok? Vous savez qu'il y a le don de foi, parmi les 9 dons spirituels, il y a le don de foi qui est différent de la foi normale que tout chrétien doit avoir pour croire en Dieu. Okay. C'est la même chose en ce qui concerne la diversité des langues. C'est différent de la langue que tu parles parce que tu reçois par exemple le baptême du Saint-Esprit ou quand tu es en prière chez toi et tout ça. C'est pas forcément le don de la diversité des langues. Est-ce que vous me comprenez ce soir? C'est bon? Cette explication est une parenthèse. Donc, plusieurs personnes à l'heure actuelle s'amusent avec ce qu'on appelle des langues. Je vois dans certaines églises, certains s'amusent, certains rigolent même avec le parler en langue, certains, je ne sais pas. Il y a un manque de respect du sacré dans ce don-là. Et c'est pourquoi plusieurs n'expérimentent pas la puissance véritable de parler en langue. Je vous ai dit hier que celui qui parle en langue se guide lui-même. Celui qui parle en langue grandit en esprit, se développe. Celui qui parle en langue, c'est un esprit qui dit directement le mystère à Dieu. C'est-à-dire qu'il y a échange de mystère entre Dieu et lui. Donc c'est quelque chose à vraiment respecter. Oh my God. Mais malheureusement, le sacré de ce don est bafoué dans nos jours. Le sacré de ce don est piétiné. Le sacré de ce don est, oh my God, on crache aujourd'hui sur le sacré de ce don. Combien les chrétiens s'amusent? C'est devenu un jeu. Alors qu'il y a une puissance dans les langues. Il y a une puissance dans les langues. C'est un don très dangereux. Écoutez, une langue qui te permet d'avoir un échange direct de mystère avec Dieu. Comment tu peux t'amuser avec ces choses? Comment tu peux piétiner le sacré d'une telle chose? Oh my God. Écoutez-moi, je répète, le non-respect du sacré entraîne assurément une tragédie. Le non-respect du sacré entraîne assurément une tragédie. Lorsque Ananias et Saphira ont voulu bafouer le sacré,
en montant au père de l'église. Oh my God. Ils ont menti à pied. Ils ont menti au père de l'église. Et le Saint-Esprit, donc Pierre, était frustré. Parce qu'ils étaient en train de bafouer le sacré par le mensonge qu'ils étaient en train de mettre. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce sacré-là? Oh my God. Nous, je vous rappelle que nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Nous sommes dans les temps de grâce, de la grâce. C'est dans ce temps que Ananias et Saphira ont été tués par le ciel. Ils ont été supprimés par le ciel. Leur vie a été supprimée de la vie terrestre. Parce qu'ils ont menti à quelqu'un qui avait l'esprit de Dieu. Le respect du sacré fait partie des impératifs du surnaturel. Celui qui bafoue le sacré, les choses de Dieu, se déconnecte peu à peu du surnaturel. Gloria. Deuxième point, concernant les impératifs du surnaturel, je ne vais pas être long ce soir, Deuxième point, suivez-moi très bien. Deuxième point, concernant les impératifs du surnaturel, exclure le doute. Écoutez, exclure le doute. Tout celui qui veut expérimenter le surnaturel à une hauteur sans pareil doit apprendre à exclure le doute de son père. Je répète, tout celui qui veut manifester le surnaturel à une hauteur sans pareil doit apprendre à exclure le doute de son cœur. Combien de personnes ont manqué des choses incroyables que Dieu voulait faire avec eux? Combien de personnes ont manqué des miracles sans pareil que Dieu voulait accomplir au travers de leurs mains à cause du doute qu'ils ont émis dedans? Le doute freine l'action de Dieu en toi. Le doute vient empêcher le surnaturel de se manifester comme il veut. Et vous devez vraiment croire que Dieu est un Dieu illimité. Un. Deux. Vous devez vraiment croire que tout ce que Dieu pense, il est capable de faire. Est-ce que vous me suivez? Je répète. Un. Vous devez vraiment croire que Dieu est un Dieu illimité. Ok. Deuxième chose, vous devez vraiment croire, vous exercer à croire cela, que tout ce que Dieu pense, il peut le faire. C'est-à-dire, si Dieu pense qu'il peut me faire disparaître maintenant, apparaître là-bas à Dakar, cela peut se passer à la seconde. Si Dieu pense que maintenant, même vêtements changent de couleur, cela peut se passer à l'instant. Après, quand Jésus a monté, ses vêtements ont été transfigurés, et même son corps a été transfiguré. On prend son visage rayonné comme du soleil. C'est des choses, si on te le dit. Aujourd'hui, vous croyez peut-être, parce que vous le lisez dans la Bible, mais si Dieu vient de parler, te dire, je veux faire ceci avec vous. Je veux te téléporter, t'amener à tel endroit maintenant. Est-ce que le doute sera dans ton cœur où tu crois? Ceux qui expérimentent le surnaturel dans une hauteur sans pareil ont appris à détruire le doute en nous. Nous, par exemple, le livre de Matthieu, chapitre 8, du verset 23 au verset 27, Matthieu, chapitre 8, du verset 23 au verset 27, Matthieu chapitre 8, verset 23 au verset 27. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8 à partir du verset 23 qui dit: il monta dans la barque et ses disciples le suivirent.
verset 24, et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Verset 25, les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Quel est celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Le verset 26, qu'est-ce qu'il y a écrit pour ça, s'il te plaît? Verset 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? J'ai étonné de voir que malgré les miracles, les choses, les signes, les prodiges, il a déjà accompli devant eux. Par leurs yeux, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires. Malgré cela, ils ont Jésus dans leur âme, mais ils peuvent encore avoir peur. Au point où la foi devient absente dans leur cœur. Et Jésus dit, pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Ils ont Jésus avec eux. Celui qui multiplie les poissons et le pain. Ils ont Jésus avec eux. Celui qui ordonne aux figues et aux figues sèches. Ils ont Jésus avec eux. Celui qui marche sur les eaux. Ils ont Jésus avec eux. Oh my God. Celui qui ouvre les yeux les aveugles. Ils ont Jésus avec eux. Celui qui fait marcher les boiteux. Ils ont Jésus avec eux. Celui qui a ressuscité les morts. Mais dans une pareille circonstance, ils ont douté. Et Jésus s'élève, il leur arrache, il dit, pourquoi avez-vous peur? J'en ai peu de foi. Le surnaturel a horreur du doute. Le surnaturel a horreur du doute. Le surnaturel a horreur du doute. Tu dois exclure le doute de ta vie. Si tu veux expérimenter le surnaturel à un haut niveau, le doute doit disparaître de ton cœur. Tu dois croire que Dieu peut. Oh mon Dieu. Maille de gloire et maille. Jean 42, verset 2. Maille de gloire. Gloria, Job 42, verset 2. Ok. Allez, Gloria. Vous avez dit Job? Job 42, verset 2. Job ou Jean? Je n'écoute pas très bien. Job 42, verset 2. Job 42, okay. Verset 2. D'accord, un petit peu. Je lis la parole dans Job 42 à partir du verset 2. Qui dit, okay. je reconnais que tu peux tout. Et je reconnais que tu peux tout. Hein? Je reconnais que tu peux tout. Oh my God. Je reconnais que tu peux tout. Est-ce que là où je te trouve à l'heure actuelle, tu me dis, pas seulement de tes lèvres, tu me dis, je reconnais que Dieu peut tout faire. Je reconnais que tu peux tout. Tout celui qui veut expérimenter le surnaturel doit accepter que Dieu peut tout. Et que quoi, la suite? Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Et que rien ne s'oppose à tes pensées, bien-aimé. Le Dieu immuable, le Dieu tout-puissant, El Shaddai, El Elyon. Elohim, ce Dieu, rien ne s'oppose à ce qu'il pense. S'il veut que je puisse disparaître, je peux disparaître maintenant. S'il veut que l'argent puisse apparaître maintenant, l'argent va apparaître. S'il veut que nous changeons l'eau en coca, nous allons changer l'eau en coca. Parce que rien ne lui est impossible. Et ce qu'il pense, il le fait. Ce qu'il pense, il le fait. Ce qu'il pense, il le fait. Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes?
Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu as peur et tu doutes? Pourquoi tu exclues la foi, ta foi, de certaines choses? Quand les choses commencent à devenir impossibles pour ton intelligence, tu dis non, ce n'est plus possible, c'est pour Dieu. Oh là, il est glorieux, il est glorieux. Et Baba Bashuva et Gloria Lava. Tu dois croire que c'est que Dieu pense qu'il peut le faire. C'est ça le début du chemin. Le doute doit disparaître. Aïe de Gloria, Aïe de Gloria. Il y a des maladies que tu n'arrives pas à guérir. Il y a même des maux de tête. Que tu n'arrives pas à guérir parce que tu doutes. Et du coup, le surnaturel est paralysé dans ta vie. Le surnaturel ne peut pas être en mouvement dans ta vie parce que le doute est présent. Le doute est là dans ton cœur. Tu dois détruire le doute. Les hommes surnaturels doivent détruire le doute. Les hommes surnaturels doivent détruire le doute. Amen, amen. Tu dois l'accepter. Oh my gloria. Combien de chants le Seigneur veut faire? Combien d'expériences le Seigneur veut te faire vivre? Combien de choses le Seigneur veut te faire expérimenter? Mais à cause de la présence comme nous dans ton cœur, ça freine l'action de Dieu. Le surnaturel a ses impératifs. On ne vit pas le surnaturel dans l'hasard. Non. Le surnaturel a ses impératifs. Je ne viens pas comme ça ici par hasard. Et je commence à dire, cette douleur disparaît. Non. Non. Il y a des impératifs que je respecte. Il y a des impératifs pour pouvoir respecter. Pour pouvoir me tenir devant vous. Et dire à cette maladie de disparaître, cette maladie disparaît, cette maladie respecte le sang de ma foi, elle disparaît. Il y a des impératifs de quoi me dire. Oh la vache, de gloria. Ah, je m'arrête déjà par là et je prie pour toi. Je regrette et je déclare, dans le doute était présent dans ton cœur, quand il fallait prier pour un malade, dans le doute était présent dans ton cœur, quand il fallait prier pour un ou quelqu'un qui avait des mots dans la tête. Le grand doute est, oh my God, dans le doute est présent dans ton cœur. Quand il fallait prier pour un cas impossible, je déclare, que ce doute disparaît. Au nom de Jésus de Nazareth, je viens détruire le doute et j'instaure la foi ferme, j'instaure la foi solide, j'instaure la foi qui ne vacille pas, afin que tu puisses naviguer dans le surnaturel comme Dieu le souhaite. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le surnaturel est disponible. Le surnaturel est disponible. Le surnaturel est disponible. Dès que nous parlons du royaume de Dieu, le surnaturel devient disponible. Dès que nous annonçons le royaume de Dieu, le surnaturel devient disponible. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, allez-y, dites-leur que le royaume des cieux s'est approché. Virgule, guérissez les malades. Ressusciter les morts, purifier les lépreux. Oh my God, parce que là où le royaume des cieux est annoncé, nous pouvons ressusciter les morts. Là où le royaume des cieux est annoncé, nous pouvons purifier les lépreux. Là où le royaume des cieux est annoncé, nous pouvons ressusciter les morts. Le royaume de Dieu est accompagné de signes concrets. Le royaume de Dieu est accompagné de signes concrets, bien-aimés. Il n'y a pas royaume des cieux sans le surnaturel. C'est pourquoi à chaque fois que Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 pour annoncer le royaume, il y a vu des signes concrets. Le doute va disparaître. Amen. Gloria sub de vaille de. Le troisième point.
Franchement, les impératifs du surnaturel, c'est la privation du corps. La privation du corps. Ah, c'est un point que je voulais. Je répète, la privation du corps. Écoutez, l'esprit de l'homme, parce que l'homme n'est pas esprit âme au corps, non. L'homme est un esprit qui a un corps, okay, ou encore l'homme est un esprit qui a une âme habitant dans un corps. Est-ce que vous comprenez? C'est différent. L'homme n'est pas esprit âme au corps, non. L'homme est un esprit. D'accord? Qui a une âme habitant dans un corps? Est-ce que vous comprenez la différence? Amen, amen. Ok. Donc l'homme est un esprit. Comme Dieu est esprit, l'homme est un esprit. Et l'esprit de l'homme est un esprit mobile et non statique. Dans la nature de l'esprit de l'homme, c'est un esprit mobile et non statique. C'est un esprit qui bouge. C'est un esprit qui se déplace. C'est un esprit qui aime le mouvement. C'est pourquoi le mot esprit ici utilisé pour l'esprit de l'homme, c'est le même mot qui est utilisé pour le Saint-Esprit, le mot roach en hébreu. Et en grec, le mot pneuma, pneuma, qui veut dire vent, souffle, air. Parce que le vent est mobile, le vent n'est pas statique. Et donc l'esprit de l'homme aussi est mobile, parce que l'esprit de l'homme c'est un vent également, c'est un souffle. L'esprit de l'homme n'a pas été créé pour être statique, mais l'esprit de l'homme a été créé, a été emmené à l'existence par Dieu pour être un esprit mobile. Et donc la privation du corps, ok, provoque ou encore permet une liberté à l'esprit, donne une liberté à l'esprit. Permet à l'esprit d'exprimer sa mobilité de façon exagérée. Combien de personnes au 21e siècle sont capables de priver leur corps de la nourriture? Combien? Juste un jeûne de deux jours, tu commences à dire ah non, je vais devoir boire de l'eau maintenant, là, je dois, le pasteur va m'excuser, mais là, je ne peux plus. Un jeûne de deux jours. Écoutez, il n'existe pas de surnaturel sans ton esprit. Si ton esprit n'est pas dans la bonne, n'est pas dans l'état convenable, le surnaturel est réduit. Yes. Tout chrétien doit apprendre à priver son corps pour permettre à l'esprit exprimer sa mobilité libre. Écoutez, même en ce qui concerne le corps de l'homme, je l'ai dit récemment dans la série d'enseignements que je peux le tenir dans mon église. Écoutez, en ce qui concerne le corps de l'homme, ok, ma main est statique dans sa nature. Le corps de l'homme est statique dans sa nature. Donc, la mobilité même du corps de l'homme. Le corps de l'homme détient sa mobilité de la mobilité de l'esprit. C'est l'esprit de l'homme qui vient en l'homme et rend mobile le corps de l'homme. C'est pourquoi dans la Genèse chapitre 2 verset 7, lorsque Dieu crée le corps de l'homme, dans la version New Translation en anglais, dans la version New Translation, la Bible dit « God created the body of man ». Dieu a créé le corps de l'homme, pas l'homme. Et le corps était inerte. Le corps était dans le sol inerte, statique. La Bible dit que Dieu souffla dans les narines. Et oh, ma lèvre, yes. Et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que sans le souffle, sans le roi, sans l'esprit de l'homme, dans le corps devait rester statique. Le corps devait rester inerte.
C'est l'esprit qui est venu dans le corps qui a rendu la mobilité, qui a apporté la mobilité au corps. Et c'est la même chose, le même mystère qui s'est passé dans le livre d'Ézéchiel. Lorsque Ézéchiel est transporté dans une vision divine, il voit des eaux asséchées. Dieu dit, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux peuvent être? Il dit, tu le sais. Dieu dit, prophétise. Il prophétise et la Bible dit, les hommes sont assemblés. La chair a poussé à nouveau. La peau est revenue. Les nerfs ont poussé à nouveau. Ah, ça c'est le Dieu surnaturel. Là, vous le savez. Amen. Tout est revenu, mais le corps était statique, le corps était inerte, le corps n'avait pas de vie de neuf. Pourquoi? Parce que l'esprit n'était pas là. Il a dû appeler l'esprit. Allez-y relire ça à la maison. Pour que le corps devienne mobile. Donc la mobilité du corps, le corps maintient sa mobilité chez l'esprit. C'est à cause de l'esprit de l'homme que le corps de l'homme est mobile. C'est pourquoi même qu'un homme rend son esprit, le corps tombe. Yes. C'est vrai que la vie n'est pas dans ce corps. La vie y est, mais le corps devient statique. Parce que l'esprit qui détient la mobilité est parti. Donc la privation du corps, faire souffrir ce corps-là, permet à l'esprit de se mouvoir librement, permet à l'esprit d'utiliser toutes ses capacités en ce qui concerne sa mobilité. Et le surnaturel fonctionne avec la mobilité de ton esprit. Disons, Jean 3, verset 1 à 8, rapidement. Jean 3, verset 1 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Jean 3, verset 1 à 8. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, verset 1 à 8, qui dit: mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Oui. Un chef des Juifs. Verset 2. Qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Verset 3. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Parce que je vous ai expliqué ça hier rapidement. Voir le royaume de Dieu et entrer dans le royaume de Dieu et donner sa vie à Jésus. J'aurais peut-être le temps de vous expliquer ça une fois sur cette plateforme. C'est pourquoi je vous ai annoncé le royaume. Lorsqu'ils annoncent le royaume, il y a des guérisons, il y a des prodiges. C'est différent de donner sa vie à Jésus. Allons-y, peut-être la prochaine fois. Mais ce qui m'intéresse, il est s'il est né de nouveau, il ne peut voir. Suivez, continuons. Verset 4, Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5, Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Si il est né d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ok. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit, va dire la suite. Oui. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut. Stop. Le vent, ce qui est né de l'esprit, le verset 7 nous a dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ok? La chair ne peut pas donner l'esprit. L'esprit ne peut pas donner la chair. L'esprit donne l'esprit. La chair donne la chair. C'est pourquoi je vous ai dit hier que Dieu a dit que en ce qui nous concerne, nous qui sommes nés en lui, nous sommes nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de lui, parce que nous sommes esprits. Donc il a donné l'esprit. Oh my God. Il a amené à l'existence des esprits.
Ok. Maintenant, le verset 8 dit quoi? Le verset 8 dit le vent souffle. Oui? Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient. Ni où mais il tu va. Ne sais d'où il vient. Non? Ni où il va. Il ni en est où ainsi. Il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quoi? Il en est quoi? Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ça veut dire que tout homme qui est né de l'esprit est un vent. Oh. Amen. Yes, amen, amen. Il dit le vent souffle. En haut, il dit d'abord, comment on appelle? La chair a donné la chair. L'esprit donne l'esprit. Et puis il dit maintenant, le vent souffle. On ne sait d'où il vient, ni d'où il va. Mais on peut sentir son passage. Ok, je parle. Et il dit maintenant, il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. C'est-à-dire qu'ils sont comme des vents. Ils soufflent. On ne sait d'où ils vont. On ne sait d'où ils viennent. Ils sont des vents. Et le vent est insaisissable. Le vent est intouchable. Le vent est mobile. Ah, je dis, puisque tu es né de l'esprit, tu es insaisissable. Tu es mobile. Tu es intouchable. Aucun sorcier ne peut te toucher. Aucun magicien ne peut te toucher. Aucune sorcellerie ne peut t'atteindre. Parce que le vent n'est pas saisissable. On ne peut pas saisir le vent. Et le vent passe partout. Le vent passe partout. Le vent ne respecte pas le protocole. Le vent vient, il racle tout sur son passage. Tu dois passer partout parce que tu es un vent. Tu dois racler les choses tout ton passage parce que tu es un vent et tu es insaisissable. Tu es intouchable. Aucune personne ne peut te saisir. Et les brossiers que viennent à ma salle de gloria. Jesus. Nous sommes des vents. Et le vent est quoi? Est mobile dans son esprit. Le vent n'est pas statique. Le vent est mobile. Et permettre donc à ton esprit de jouir à 100% de cette mobilité qu'il faut faire souffrir ton corps physique. Amen. Il faut priver ton corps. Amen. Et le glory à l'air de travail. Il faut priver ton corps physique élevé. Regardez quelqu'un comme Paul. Comment il a privé son corps. 1 Corinthiens 9, verset 27. My glory a souffert de my glory. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 9 à partir du verset. Vous avez dit? Verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. 1 Corinthiens 9, verset 27. Oui. Mais je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. D'autres versions disent, oh la brasura cataliba et le gloria. D'autres versions disent, je traite mon corps en esclavage. D'autres versions disent, je traîne mon corps en esclavage. Je le traîne en esclavage. Wow. Je traîne mon corps en esclavage. Je traite mon corps en esclavage. Je le tiens assujetti. Comment il le fait? Frère, on traite le corps en esclavage. On traîne le corps en esclavage. On assujetti son corps par le jeûne. Amen. Amen. Faut priver ton corps. Apprends à te priver. Surtout pour ceux qui sont dans les pays comme les pays un peu européens, etc. L'esprit de la gloutonnerie est à 100% avec eux. Pour nous qui sommes en France, etc. On mange à toute heure. On grignote à toute heure. Frère, tu dois apprendre à assujettir ton corps. Tu dois apprendre à traiter ton corps en esclavage. Et cela se passe que par le jeu. Combien de chrétiens se privent? Combien de chrétiens dans l'année 2021 ont accepté de se mettre à part de Dieu, même sans programme à l'église? Tout celui qui veut manifester surnaturel doit respecter cet impératif surnaturel.
l'abondance de son corps. Il doit apprendre à prier son corps. Ça permet à l'esprit d'être immobile comme il le faut, afin d'opérer librement le surnaturel. Frère, Paul a traité son corps. Il a traîné son corps en esclavage. Amen. La version NBS dit, je détiens, je maintiens mon corps en esclavage. Gloria. Il y a la version NBS. Je vais la voir rapidement. Mais il est Gloria. Chant de ma vie, il est Gloria. Oh my God, my God, my God. Jesus. Si quelqu'un trouve rapidement la version NBS, ok? My Gloria. Si pleque de ma vie, Gloria. My God. My God. My God, je vais les rater rapidement, mais je vais la trouver en même temps. Cobra da basunta, yamabé. Quebra di basu, braille de baille de boulot. Écoutez, on ne vit pas le surnaturel dans le hasard, c'est impossible. C'est un prix, mes frères. Ok, la version NBS dit quoi? Malébra soubra et que l'or est beau. Maïe de l'or et de gloria. S'il plaît, traille de gloria. Verset 27, la version NBS me dit. La version NBS me dit, aïe. Au contraire, ok, suivez-moi. Au contraire, je malmène mon corps. Je le traite comme un esclave. Hey. Suivez. La version NBS dit, au contraire, je malmène mon corps. Je le traite comme un esclave. Amen. Tu dois traiter ton corps comme un esclave. Le surnaturel reprend à des exigences. Il y a des exigences, Tu ne peux pas chercher à vivre, à expérimenter le surnaturel comme ton pasteur, comme ton prophète, etc. Et tu ne respectes pas certaines exigences. Tu as des impératifs, c'est impossible. Et les impératifs sont pareils qu'il faut respecter, c'est la privation de ton corps. Amen, amen. Ton corps se réjouit beaucoup trop. Ton corps se réjouit beaucoup trop. Paul dit, alors que l'être intérieur, extérieur, c'est intérieur, c'est alors que l'être intérieur se renouvelle. Paul dit, lorsque l'être extérieur c'est intérieur, c'est alors que l'être intérieur se renouvelle. Yes. Paul était quelqu'un qui était assujetti au jeûne, qu'il jeûnait tellement. Comment il dit, Paul dit, lorsque l'être extérieur c'est intérieur, l'être intérieur se renouvelle. Oh my God. Tu ne peux pas espérer vivre à un haut niveau de surnaturel. Et tout le temps, tu donnes. Qu'est-ce qu'on fait au Sénégal? Même tu donnes, je ne sais pas quoi, du poisson à ton corps tout le temps, sans arrêt. Apprends à te mettre à part. Amen. Yes. Même Jésus, regardons l'histoire de Jésus. Vous n'avez jamais compris cette histoire comme ça, disons là. Jean chapitre 4, verset 31 au verset 34. Je lis la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, à partir du verset 31. Il dit, pendant ce temps, les disciples se pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Ils étaient étonnés. Écoutez, si c'était
dire sur cette terre que Jésus n'a fait pas juste manger depuis le matin et il est midi. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Mais il avait déjà passé plusieurs temps sans manger. C'est pas une certitude maintenant. Est-ce que quelqu'un a apporté à notre maître à manger? Comment il peut refuser la nourriture en ce lieu? Et revenons au verset 31. Revenons à vous. Verset 31, vous avez dit. Au verset 31, oui, je vais vous montrer. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi, mange. Donc, les disciples faisaient quoi? Le pressaient de manger. Ici, le mot pressé, c'est le mot erotao. Le mot pressé qu'ils ont utilisé, c'est le mot erotao en grec, qui veut dire ils ont supplié Jésus. C'est le même verbe qui t'a donné le verbe mendier. Tu vois, quelqu'un qui mendie, qui supplie, donnez-moi, donnez-moi. C'est le même verbe qui a donné le verbe mendier. Et au tao, et ça veut dire supplier, implorer. Donc ils ont imploré, Jésus, s'il te plaît, mange déjà. S'il te plaît, mange déjà. Pourquoi? Parce que Jésus était dans des privations du corps compliquées. Si c'était quelque chose de normal, il ne veut pas supplier Jésus dans ce pays. Parce que Jésus était dans les privations du corps compliqué. Et là, certainement, ça faisait plusieurs jours que Jésus n'avait même pas mangé ni plus. C'est pourquoi ils vont supplier Jésus. Le mot ici que chrétien est dans notre Bible, le mot est rotao. Tu veux dire supplier, implorer Jésus. Mange, s'il te plaît. Mange, s'il te plaît, Rabbi. Mange, s'il te plaît, Rabbi. Combien de personnes ici vont supplier de manger? Ou la plupart d'entre vous, on vous supplie de jeûner. On vous supplie de jeûner. Yes. On vous supplie de jeûner. Même juste deux jours de jeûne, on vous supplie. S'il te plaît, viens à l'église, ce programme de jeûne. On vous supplie de jeûner. Ici, on supplie Jésus de manger. Vous imaginez le contraire? Wow. On supplie Jésus de manger, pas de jeûner. Et le mot utilisé est très fort. Le mot tao. Elle veut dire implorer. Si c'est arrivé au niveau où on a imploré Jésus à cause de manger, ça veut dire que le gars s'était privé de manger. C'est une question d'habitude. Ils voyaient Jésus, Jésus devenait pâle. Ils ont supplié Jésus de manger. Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oui. Oui, mais avant, revenons au verset 32. Avant, il dit quelque chose d'important. Verset 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Vous êtes étrangers à cette nourriture. Au verset 34, il donne la réponse à cette nourriture. Il dit, c'est lorsqu'il fait la volonté de Dieu, il prend plaisir à cela. Lorsqu'il est au service de Dieu, il est le Père, il guérit le malade là-bas, il fait des choses, il ressuscite les morts, il dit c'est nous, il est content, c'est là que son esprit est content. Jésus n'a pas jeûné seulement 40 jours. Et au retard, ils ont supplié, imploré Jésus. Certainement son corps physique est détruit. Wow. Jésus a pris cette habitude. Ouais. Ce que Jésus faisait, ce n'était pas un hasard. Si Jésus a marché dans le surnaturel, ce n'était pas un hasard. Il apprenait à priver son corps pour développer son esprit. Ce n'était pas un hasard. Si Jésus a guéri le malade, ce n'était pas un hasard. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu, non. Jésus a opéré sur la terre en tant que fils de l'homme. Pour nous montrer la voie à suivre. C'est pourquoi il a dit, vous pouvez faire au-delà de ce que j'ai fait. Si Jésus avait opéré sur la terre en tant que Dieu, qui peut faire au-delà de Dieu? Qui peut faire au-delà de Dieu? Donc si Jésus dit, vous pouvez faire au-delà de ce que j'ai fait, parce que je m'en vais au Père, il a opéré sur la terre en tant que fils de l'homme. Il a dit, je prie. Il a dit, je prie. C'est pourquoi
fois, à un moment donné, vous allez écouter, on dit Jésus eut faim. Vous avez déjà lu ça? Yes, yes. On dit Jésus eut faim. Pourquoi? Parce que le message est bougé. Amen. Wow. C'est parce qu'à cause de ça que le ministère de Jésus avait des résultats surnaturels. Ouais. Yes, my God. Et Paul a compris ces choses. C'est pourquoi il a dit, je traîne ma forme en esclavage. Je la suis-je-dis. Je la traîne en esclavage. Je la suis-je-dis. Je prie dans le nom de Jésus. Que cela soit ton partage. Que tu apprennes à suis-je-dis ton corps. Que tu apprennes à traîner ton corps en esclavage. Que les traînes de glace, là, au nom de Jésus, qu'à partir de maintenant, tu n'attendras pas les programmes de l'église pour jeûner. Tu n'attendras pas les programmes de ton gouvernement. Amen. Oh my gloria. Jésus était un maître spirituel de l'unité. Il a été élevé dans les rangs spirituels élevés parce qu'il a eu une telle exercice spirituel ici. Il a piqué. Il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard. Puis je me tiens ici, je me donne une maladie dans la nuit, c'est pareil. Il n'y a pas d'hasard. Ce n'est pas parce que Dieu m'aime trop. Il n'y a pas d'hasard. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Le surnaturel a un prix à payer. Même si on prophétise sur toi, on dit qu'on devrait élever les paralytiques, on devrait guérir les gens, on devrait expérimenter la puissance. Frère, s'il n'y a pas de prix à payer, tu ne vivras jamais cette chose. Il y a des prix à payer. Même Jésus qui vient du ciel, elle allait jeûner 40 fois, 40 nuits. Elle avait mis l'Esprit du Seigneur, est venu sur lui. Jésus revêtu de l'Esprit de Dieu, les gagnants à gagner, Luc chapitre 4. Il a été revêtu de l'Esprit, à papa le jeûne. L'impératif du surnaturel. Les impératifs du surnaturel. La privation du corps. La privation du corps. Oh, bien. La privation du corps. Et ces choses. La privation du corps, à un moment donné, quand tu commences à devenir maigre dans ces choses, c'est-à-dire que parfois tu vas jeûner, même si tu ne les prépares. Tu veux jeûner ton corps. C'est-à-dire que même si tu ne fais pas 6 heures de prière par jour, même si tu ne fais pas 5 heures de prière par jour, mais tu jeûnes, tu es là la journée. Mange, non, je n'ai pas envie de manger. C'est ça. Il n'y a pas d'hasard, mon Seigneur. Il n'y a pas d'hasard. Beaucoup de gens ont vu des hommes de Dieu. Si on te donne la vie des hommes de Dieu, juste un mois de la vie des hommes de Dieu, tu vas prier. Ces costumes-là, ce n'est que la partie, c'est la partie à Paris. Mais nos corps souffrent. On paye le prix. Nos corps souffrent. Ça, c'est la partie apparente. Pour jeûner et prier. Un jour, je m'en souviens. J'ai tellement prié au bout, je me suis blessé dans le jeu. Et au bout de mes orteils, je me suis blessé. La peau est quittée. Il n'y a pas d'hasard, mais il n'y a pas d'hasard. Et le dernier point, parmi les impératifs, pour finir et prier, le dernier point, c'est la connaissance de Dieu
et l'amour de Dieu. Vous devez apprendre à connaître Dieu. Vous devez apprendre à connaître Dieu. Il n'y a pas de surnaturel sans connaissance de Dieu du surnaturel. C'est impossible. Il n'y a pas de surnaturel, je répète, sans la connaissance du Dieu du surnaturel. Je dis bien, c'est impossible. Je dis bien, c'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas de surnaturel sans la connaissance du Dieu du surnaturel. Je dis bien, c'est impossible. Impossible. C'est impossible. Et même Dieu est ceux qui ne connaissent pas. Dieu est ceux qui ne connaissent pas. Dieu dépouille ceux qui ne connaissent pas. Il est étrange ceux qui ne connaissent pas. Écoutez, je crois que c'est que j'ai noté ça, je vais lire. Dans le livre de Osée chapitre 4, verset 6, lisons. Osée chapitre 4, verset 6, que vous connaissez. Lisons, frère. Je lis la parole de Dieu dans Osée chapitre 4, à partir du verset 6. La Bible dit, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La destruction de mon peuple vient du manque de connaissance. La suite qui m'intéresse. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Relis-moi ça, ma fille. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Encore. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Encore. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. La suite. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas Dieu. Et le mot ici connaître, c'est le mot yada. Qui veut dire connaître en intimité. Connaître en intimité profonde. C'est le même mot qui est utilisé lorsqu'on dit Dieu a aimé, lorsqu'on dit que Adam a connu sa femme Ève et eu des enfants. C'est le mot connaître, c'est Yada. Ça veut dire connaître dans une intimité profonde. Dieu veut ces choses. Il veut que nous puissions le connaître dans une intimité profonde. Comme si tu allais avec ta femme. C'est le même mot qui est utilisé. Yada, 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 il y a aléa, yada. Il n'y a pas de surnaturel sans connaissance du Dieu du surnaturel. C'est impossible. Il faut oublier ça, bien-aimé. Il faut oublier ça. Vous devez chercher et chercher à connaître l'Éternel. La Bible dit, chercher. Oh my God, my love, la soul, la hand, grosso, brother, I can die, my. Chercher et chercher à connaître l'Éternel, la Bible. Chercher et chercher à connaître l'Éternel, la Bible. C'est Yada, 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 connaître l'Éternel. C'est profond, l'Éternel. Combien de personnes prient pour chercher à connaître l'Éternel dans notre vie? Un homme de Dieu disait dans une de ses réunions que si on pose la question ici, qui veut vivre le surnaturel, tout le monde va lever la main. Mais si on pose la question, combien de personnes ont déjà lu toute la Bible? Les mains baissées. Yada. Lui, il a été même trop dur. Moi, je pense, si on pose la question, je peux répondre ces paroles. Qui veut vivre le surnaturel? Tout le monde va lever la main. Mais si on pose la question, tu as déjà même fini le Nouveau Testament. Fini tout le Nouveau Testament. Juste le Nouveau Testament. Pas toute la vie. Juste le Nouveau Testament. Tu as déjà fini. Les mains baissées. Et que deux personnes qui vont lever la main. L'Église ne prenait pas son Dieu. L'Église ne prenait pas en qui elle a cru. Donc l'Église ne connaît pas. C'est pourquoi elle le fait. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 40, verset 41, 42 par là. Lisez, vous allez voir ce que la Bible dit concernant l'Église primitive.
peut dire ça, est-ce qu'on peut peut-être lire ce premier acte de l'apôtre Paul 2, verset 41, 42 par là? Je lis la parole de Dieu dans Acte 2 à partir du verset 41 qui dit « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » Verset 42, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » Ils faisaient quoi? Un, suivez bien, la force de la Bible. Un, ils persévéraient dans l'enseignement. Oui. Dans la communion fraternelle. On dit quoi? Dans l'enseignement des apôtres. Oui, dans l'enseignement des apôtres. Ok, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Qui persévère aujourd'hui dans cette épreuve de Dieu? Ou quand on va finir de prêcher la joie, quand on va dormir, et tu vas dire, j'attends le programme de janvier pour qu'on vienne encore prier pour moi et tes parents. Tu n'aimes pas Dieu! Il faut persévérer dans les enseignements qu'on te donne. On dit des églises primitives qu'ils persévèrent dans les enseignements des apôtres. Deux. Dans quoi? Ils persévèrent dans quoi? Dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Trois. Ils persévèrent dans quoi? Dans la fraction du pain et dans la prière. Dans la fraction du pain. Quatre. Ils persévèrent dans quoi? Dans la prière. Dans la prière. La suite. Continue à lire. La crainte s'emparait de chacun. La crainte s'emparait d'eux, frère. Oui. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Il se faisait beaucoup de prodiges. C'est pas un hasard. Les prodiges ne viennent pas comme ça, c'est pas un hasard. Il y a un protocole à respecter. Il y a un protocole à respecter. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Continue. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et oui. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ah, stop! Ils étaient quoi? Assidus au temple. Je dis qu'ils étaient chaque jour assidus au temple. Pour toi, même en ligne, tu manques les réunions. Même en ligne, tu es sur ton lit, pourtant avec ton téléphone, mais tu manques la réunion. Même en ligne, tu arrives en retard, en ligne, pas en présentiel, en ligne. Tu n'as pas besoin d'emprunter un taxi. Tu peux même être en pyjama chez toi, en ligne, tu arrives en retard, en ligne. Oh mon Dieu! En ligne, tu arrives dans le temps, il faut faire en ligne. C'est ça. On dit qu'ils étaient assis au temple, chaque jour, assis au temple. Chaque jour, ils étaient assis au temple. Ils aimaient Dieu. Ils cherchaient à connaître Dieu, les gars. Ils cherchaient à connaître Dieu. On dit qu'ils se faisaient des prodiges. Il faut être prêt à tout pour chercher à connaître Dieu. Écouter ton pasteur. Être là aux enseignements. Lire la parole. Il faut connaître Dieu, frère. Ils étaient assidus chaque jour. Assidus au temps. Assidus. Mais au 21e siècle, même en ligne, tu manques un peu. En ligne. Arrêtez. En ligne, tu arrives en retard, un programme en ligne. En ligne. C'est grave. Le surnaturel n'est pas un hasard. Il faut être assidu. Quand je constate des choses, je conclue, je dis cette personne n'est pas. Je conclue. Ouais. La connaissance de Dieu, apprendre à connaître, chercher, dit la Bible, chercher, et connaître dans ses connaissances et chercher à connaître l'éternel. Connaissez et chercher à connaître l'éternel, dit la Bible.
les impératifs de Dieu. J'ai dit, le dernier point parmi les impératifs surnaturels, c'est la connaissance de Dieu et l'amour de Dieu. Frère, combien de personnes encore aiment Dieu dans notre église? Combien de. C'est-à-dire que sans l'amour de Dieu, sans, si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas jouir des choses de Dieu. C'est un, et il ne faut pas se leurrer, c'est impossible. Frère, tu ne peux pas aspirer à une vie surnaturelle. Si tu n'aimes pas ce Dieu du surnaturel. Tu ne peux pas. Et on n'éduque pas Dieu. Dieu est un esprit. Frère. Dieu est un esprit. Tu ne peux pas éduquer Dieu. Tu peux aimer Dieu, frère. Combien de personnes aiment encore Dieu au 21e siècle? Il faut aimer Dieu, frère. Le surnaturel des connaissances, l'amour qu'on a pour l'éternel des âmes. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus, frère. Parfois, quand on priait, deux jours, trois jours, où tu ne demandes rien, tu dis seulement Dieu, apprends-moi à être aimé. Jésus, apprends-moi à t'aimer. Je veux apprendre à t'aimer. Je veux avoir les secrets pour t'aimer. Et au sortir de là, Dieu ne veut pas seulement te donner son amour. Il va te donner au surnaturel. Parce que tu l'aimes, frère. Il y a des choses que Dieu a réservées uniquement pour ceux qui l'aiment. Il y a des secrets que Dieu a réservés uniquement pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il y a des chercheurs, je te montrerai. Même sans moi, je te montrerai. Je t'apprendrai des choses inaccessibles. Il y a des choses que Dieu peut montrer seulement à ceux qui l'aiment. Ceux qui le cherchent en secret, ils veulent l'aimer. C'est le secret qu'ils vont avoir. C'est ça le surnaturel. Jean 14, disons, verset 21-23. Nous allons nous arrêter par là. Jean 14, verset 21-23. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, à partir du verset 20, à partir du verset 21. Oui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Oui. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Stop. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde, verset 21, c'est celui qui. Qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Et il sera quoi? Aimé de mon Père. Pourquoi? Parce qu'il m'aime. Et il garde ma parole. La suite. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à. À lui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui, frère. Tu veux que Dieu se révèle à toi. Tu veux que Jésus se révèle à toi. Pour que tu puisses opérer dans le surnaturel. Mais le secret là, il dit, il faut m'aimer. Il faut garder mes paroles. Alors je t'aimerai et je me ferai connaître à toi. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. Je l'aimerai et je me ferai connaître. Oh my God. Je te dis que généralement, quand on utilise ce mot, quand on parle de la connaissance entre Dieu et l'homme, c'est le mot yada. C'est une connaissance intime. Chose qu'il ne peut pas montrer à tout le monde. La suite. Verset 22. Jude, oui. Non pas l'Iscario, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, oui. Et non au monde. Et non au monde, oui. Verset 23, Jésus oui. lui répondit, oui. Si quelqu'un m'aime, il gardera oui. ma parole. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole.
Oui, la suite. Et mon père l'aimera. Hein? Et mon père l'aimera. C'est pas l'hasard. Et Dieu donne des choses à ceux qu'il aime. Si le père t'aime, il te donnera des secrets du surnaturel. Si le père t'aime, il te dira, pour faire disparaître comme une douleur, c'est pour ça qu'il faut prier. C'est pour ça qu'il faut faire. Si le père t'aime, il te donnera des secrets que tout le monde n'a pas. Et le surnaturel, je vais te partager. Mais il faut aimer la parole. La suite, je te verse de quoi? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Aïe, il dit quoi? Si quelqu'un m'aime, le père l'aimera, nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Mon Dieu! Si Jésus et le Père viennent habiter chez toi, faire leur demeure chez toi, quel surnaturel te sera encore impossible? Qu'est-ce qui te sera impossible? Amen. Tu vas opérer ton surnaturel comme il le faut. Et je vais m'arrêter là, ouvrir une parenthèse en disant le Père et le Fils n'habitent pas sur tout le monde. Il y a une condition ici. Et le Père et moi, nous viendrons chez toi. Nous ferons notre demeure chez toi. Si le Père, le Fils, le Dieu créateur et l'homme est chez toi, qu'est-ce qui peut être impossible? Si El Shaddai est chez toi, qu'est-ce qui peut être impossible? Écoutez, c'est lorsque Dieu s'est révélé à Abraham en tant qu'El Shaddai que l'année prochaine, d'ailleurs. Mais ces choses sont possibles comment? Lorsque tu aimes Dieu. Lorsque tu aimes Dieu. Amen. Parfois, quand tu vas dans l'intimité, ne va pas seulement prier Dieu. Voici mes problèmes. Parfois, oublie un peu de bonheur. Seigneur, je veux t'aimer. Apprends-moi à t'aimer, le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, quel est ton nom? Je veux apprendre à te connaître. Seigneur, je veux m'approcher de ton cœur. Comme Jean était touché sur ta poitrine. Apprends-moi à venir auprès de toi. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te connaître. Je veux apprendre à t'aimer. Seigneur, qui es-tu? Seigneur, révèle-toi à moi. Je veux m'approcher de toi. Oh frère, qui est encore dans le sujet de prière? Et tes problèmes vont disparaître naturellement. Tu ne seras pas malade, n'importe comment, parce que Dieu vient faire de même. Le surnaturel sera accessible pour toi. Le surnaturel sera accessible. Parce que lorsque le Père et le Fils viennent faire demeure chez toi, ils vont laisser le divin en toi. Ils laisseront le divin en toi et le surnaturel va se manifester dans le physique. Forcément, frère. Et ma brode aussi, Adjan Amazon. Aïe, gloria, son brade, le brébara, son brade. Que les bacos, bacos, les massives. Miwe na mozo peye ma anuti bewa. Wizi wata wa manu suka yemene. Wili ya ouzi kewe. Wili wize ke bahaname. Ma wize ma ho bahane. Iwe zikewa. Mananu ni sepe wele viae. La ime sotia. Ma weze ke fao. Wizi yema. Minte ouzi kewa. Wahana juze. Why the glory of Sebae, Lemi de Kunta, Billy Weza, Wahana Zize, Wahana, Winkawana Nine Koba, Wazize, Wintiva Weza Wana, Minia Uzi Pewe, Wina Kuntu Yimahana, Mahana Sube, Wahana Zuzi Wana, Weka Wizi Pawe, Wahana Zuze, Wigema, Manuzi Pewe, Yahana Zuwani Akebe. Wazo ziwe, mikenda, wana zwe ntepiwe, wye manuzi mana, mikewe ito, wiziwe ma, manante weziana, uwe teza, masizo inama.
Thank you.